surprise plutôt agréable ce mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourde oreille aux cris de détresse des marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Hey, papa, bisokutu, toza étonné mon konsinangai que président de la République ait rokota na kati ya marché na komuna o événement salami par rapport ya oyo. Et ça, les mailles du bosso, tout le monde a côté, ni ministre, ni député national, ni député provincial. Papa, il Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareille situation à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcé en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobi Lambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, du ministre du Budget, Aimé Bogi, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune de Massina, ainsi que d'autres personnalités. Ils brillent depuis le début de ces mois par leur absence aux plénières de l'Assemblée nationale consacrées à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Elitouri. Ce mercredi dans la soirée, ces députés nationaux de provinces sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiapwanga, ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès l'entame, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Ce que nous faisions appel aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux montrer un signe de mécontentement avec cet état de choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'État a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons. Mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles qui se passent dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ses élus, le chef de l'État a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays. Et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'État nous a rassurés que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes. Et que sans dévoiler des secrets d'État, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été touchées, notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires,
Et je pense que là aussi, des décisions seront prises. À la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Lituri reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège, le porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'État nous a écoutés. Il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant, vous verrez à la prochaine prolongation sûrement le comportement que nous avons comme élus, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la 12e prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Il s'agit d'un échantillon de la société congolaise représentant l'ensemble des compatriotes vivant dans les quatre coins du monde qui s'est réuni dans ces formes de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et partout à travers le monde, l'un des points majeurs de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hors des présentes assises. Le gouvernement de la ville de Kinshasa, capitale qui a pris de ces forums, a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais dont le défunt de la RDC, leur mère patrie, où qu'ils se trouvent. Jean-Tilin Goubilamba, Kassadev a signé la mission de constituer un annuaire de tous les compatriotes vivant à l'étranger. Le conseil chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités a noté que ce forum est un peu nommé car il vient en appui au programme présidentiel accéléré PPIA qui n'a pas su décoller à la suite des effets de la COVID-19. Jidette Badibaraka Bongo espère que ce cas d'échange devra permettre d'explorer les pistes de solutions pour endiguer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le groupe de la diaspora, à travers des témoignages en visioconférence et sur place en présentiel, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères, en chef de la diaspora, a remercié le chef de l'État pour avoir associé la diaspora congolaise au développement de leur pays. Le développement de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, telle est la chef de l'État qui demande de transcender des querelles byzantines. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, « Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives. » Fin de citation. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et messieurs, distingués invités, selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB, de notre pays bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019 contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora
vers notre pays dépasse largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Diaspora congolaise, acteur du développement pour lutter contre la pauvreté, tel est le leitmotiv qui sera au centre des échanges pendant ces deux jours de suite afin d'identifier des procédés innovants de transfert de crédit pour la création des richesses pour tous avec le concours des têtes pensantes de la diaspora. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Ils ont à peine eu écho de l'arrivée imminente de la First Lady sur leur sol et les voilà qui prennent la route, bravant les 17 km qui séparent le centre-ville de l'aéroport de Bangoka de Kisangani. En voiture, en moto ou à pied, tous ces Bouyoumés partagent un seul désir, celui de voir atterrir l'avion transportant la première dame de la République. Nous venons accueillir notre maman, la première dame de notre pays. Les lotos se pèlent, c'est la toute première fois, première dame à Konyata Awa. Dès que nous avons un single, le col à yé, maman à yé, à mon apprisonné, à son photo, à mon apprisonné, à mis. Cette ferveur va très vite atteindre le site aéroportuaire où le comité d'accueil était déjà constitué. Pour nous, le fait de choisir la ville de Kisangani, qui est le chef-lieu de la province de la Tchopo, c'est un motif de joie et de satisfaction pour nous. Quelques minutes seulement, et l'appareil transportant Denise Nyakiru Tshisekedi toucha le tarmac de Bangoka. Karibou Mama, bienvenue maman, ce sont les deux mots qui accompagnent la descente de l'épouse du chef de l'État de l'avion. Ce seul geste de la main à la population qui l'accueille, signe de gratitude de Denise Nyakiru Tshisekedi, suffit à créer l'euphorie. C'est à la place de la poste que la First Lady a choisi de communier avec la population bouyomaise. Debout,
Arborant une tenue à l'honneur de la ville, l'épouse du chef de l'État se présente encore une fois coiffée de sa casquette de messagère du peuple. Des problèmes que la première dame anticipait en ramenant dans sa suite le directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL, qui, selon ce dernier, serait déjà à pied d'œuvre pour redonner de l'électricité au Boyomé. Plusieurs activités sont prévues dans l'agenda de la première dame de la République. De l'éducation à la santé, les soucis et les questions liées aux conditions des femmes, tout est calqué pour donner des réponses aux questions préoccupantes des populations de la Tchopo. Détachement d'honneur constitué pour la première visite officielle du nouveau président zambien en RDC. Au perron du Palais de la Nation, l'attendait le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. À son arrivée, à Kayinde, Ichilema a été accueilli chaleureusement par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exécution des hymnes nationaux des deux pays par la fanfare de la garde républicaine et honneur militaire avant la pause pour la photo officielle. Cette rencontre entre le 5e président de la RDC et le 7e président de la République de Zambie s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations de bon voisinage et des relances de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Les deux pays se disent déterminés à travailler ensemble pour résoudre définitivement le conflit frontalier qui les oppose au niveau de la province de Tanganyika. Now he, my brother president, has come in Congo DRC president, have come in from Zambia. La Zambie, avec le président, ils sont déterminés pour résoudre ce problème qu'on a. Un problème frontalier comme celui-là ne doit pas être entravé, en fait, les échanges commerciaux, les échanges politiques que nous avons entre nos deux pays. Nous sommes tous déterminés, notre président ainsi que le président zambien, à travailler ensemble pour résoudre ce problème. C'est un problème qu'on a hérité, un problème qui date de très longtemps, de l'époque coloniale. Il a parlé de 1894 et 1984, mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc il est engagé à le résoudre auprès de notre président de la République pour que nous puissions nous concentrer sur les investissements, sur les échanges commerciaux, afin d'améliorer la vie des Zambiens et des Congolais. Pour sa part, le président en exercice de l'Union africaine, qui tient absolument à parachever ses contentieux frontaliers, a annoncé le lancement de travaux d'une commission mixte entre les experts de la RDC et de la Zambie à une date à convenir. Il s'est agi donc de parler du raffermissement de nos relations, des relations entre nos deux pays, du règlement assez rapide de la question, comme vous le savez, de la du contentieux frontalier qu'il y a eu entre nos deux pays au niveau de la province de Tanganyika pour ce qui est de la République démocratique du Congo. Conflit qui, du reste, avait connu un début de solution, mais qui n'est toujours pas parachevé. Et là, nous avons vraiment exprimé l'un et l'autre le besoin de le parachever. Et si tout va bien, à une date à convenir tous les deux, nous irons symboliquement sur les lieux pour lancer les travaux de la commission mixte qui sera composée de nos experts locaux qui, eux, sont les détenteurs des coutumes, des traditions, de l'histoire de nos deux peuples qui vivent côte à côte et qui pourraient faciliter justement le travail aux experts nationaux qui seront là.
Des questions de coopération économique entre les deux États ont été également évoquées, sujets qui vont à coup sûr être amplement développés lors du forum RDC Africa Business, forum des affaires économiques, qui s'ouvre ce mercredi à Kinshasa, sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était 13h local ce mardi quand l'avion présidentiel zambien a atterri à l'aéroport international de Ndjili. À son bord, le président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, qui a foulé le sol congolais pour la première fois. Le chef de l'État zambien est accueilli au pied de l'avion par le premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiny Ngobilambaka, et d'autres personnalités du pays. Un protocole d'honneur lui a été déroulé sous les acclamations d'une représentativité de la communauté zambienne. Acteur politique ayant lutté dans l'opposition et a été élu président lors de la présidentielle du 12 août en Zambie, Hakainde Hichilema est le premier chef d'État à arriver en marge de la conférence sur la masculinité positive qui s'ouvre ce 25 novembre 2021. C'est également sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Il se dit honoré par l'accueil. Well, first I'm delighted to be here. C'est ma première visite en RDC. Je suis très très heureux par l'accueil merveilleux que je viens de recevoir du Premier ministre. Et pour moi, c'est une grande joie d'être en RDC. J'ai toujours pensé à ça depuis très longtemps. Et je pense que cela s'accomplit aujourd'hui. Et je salue tout le peuple congolais. En plus, je suis également heureux parce que demain nous aurons des discussions importantes à ce qui concerne nos mines et comment on peut les capitaliser. Cela va nous aider et la Zambie et la RDC qui en fait forment un seul peuple, de créer des emplois et ainsi booster l'économie de nos deux pays. Une fois de plus, je suis très heureux d'être en RDC et participer au forum qui va commencer demain. Des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine qui a dans sa tête le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, prendront part à cette première conférence de haut niveau. Un tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'État cet après-midi au Palais de la Nation. Après le président zambien Hakainde, c'est le tour du Sénégalais de fouler le sol congolais ce mercredi 24 novembre 2021 dans la soirée. Le président Macky Sall vient prendre part au forum sur la masculinité positive qui ouvre ses portes ce jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa. Au pied de l'avion, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge et autres autorités du pays pour un accueil assez haute des marques du président congolais et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un entretien de bienvenue au salon présidentiel avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le cortège du président sénégalais a quitté l'aéroport international d'Ndjili pour d'autres rendez-vous prévus dans son agenda des visites en République démocratique du Congo. Une dernière mise au point en aparté entre chefs d'État de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et Faure Gnassingbé du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, marqué d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une première du genre
qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Hélène Johnson-Sirleaf, prix Nobel et présidente du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final, en conjonction avec les instruments régionaux passés, fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés entrepris, les violences contre les femmes et les filles restent, selon le président de la Commission de l'Union africaine, l'une des formes des violences des droits de l'homme les plus répandues et les plus socialement tolérées en Afrique. Les arguments de Moussa Faki Mahama ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Le leader de l'Union africaine sur les questions du genre et de développement en Afrique, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, a appelé ses pairs chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa vise au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit. Attaquées dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles, avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation, Macky Sall, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda, avec son président et leader de l'Union africaine sur la réforme institutionnelle, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à marquer l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, ainsi que les activistes de la société civile, vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause, comme la première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi, qui depuis 3 ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur le genre un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifié de pandémie de l'ombre. La salle commence à se vider. Cette première conférence de très haut niveau a été un grand succès. Cela prouve l'intérêt que l'Afrique accorde à cette problématique. Cette conférence a connu la participation des plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, ainsi que la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi. Mais que retenir du concept masculinité positive? Les femmes leaders présentes à ces assises ont donné de la voix. Je pense que c'est la première fois que nous avons autant de présidents de la République qui étaient présents mais aussi en ligne pour venir affirmer aujourd'hui le 25 novembre, dire nous voulons cette masculinité positive et qui n'est pas un slogan, c'est une réalité qu'ils veulent transformer l'Afrique sans violence, zéro tolérance. Et c'est là où nous devons féliciter le président de la République pour son leadership, sa vision et son courage pour dire je veux prendre cette masculinité positive dans mon agenda en tant que président en exercice de l'Union africaine. Ce que nous pouvons retenir de la conférence, c'est que nous avons pu avoir des engagements fermes de ces présidents qui étaient là, mais un engagement d'amener la déclaration de Kinshasa également l'amener où? L'amener à Addis Abeba, au sommet de février, pour remettre cet agenda aux autres présidents, les 54 États africains,
C'est une conférence pour l'Union africaine, les chefs d'État de l'Union africaine, surtout ceux qui ont été présents, qui ont participé à cette réalisation. Il y a une déclaration qui est sortie, la déclaration de Kinshasa, avec 10 articles. Alors ces 10 articles doivent être appliqués dans les pays qui se sont engagés. C'est ça vraiment qu'on doit retenir de cette conférence. Les présidents qui ont été présents ici, il y a eu leur allocution, leurs engagements. Ils ont parlé de ce qui se passe dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et dans tout ça est sortie cette déclaration. Et il y a eu aussi, avant ça, il y a eu des jeunes qui ont parlé. Il y a eu la jeunesse qui a parlé, il y a les secteurs privés qui a parlé. Il y a les secteurs religieux, les chefs traditionnels et les chefs religieux qui ont parlé. Pour voir, pour nous montrer leurs engagements, pour dire que c'est fini la violence faite à la femme, la violence faite à la jeune fille. On n'en peut plus. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui en est assez, tout le monde en a assez de cette violence. Et là, avec l'allocation du président de la République, non seulement il amène ça côté continental, c'est-à-dire non seulement du côté congolais, côté continental, du côté africain, mais il veut l'amener encore du côté mondial. C'est un retour effectif que la République démocratique du Congo fait sur la scène diplomatique. Mercredi, après avoir réuni au Palais du Peuple des dirigeants et des décideurs africains dont le président zambien pour DRC Africa Business Forum, Kinshasa accueille ce jeudi sur invitation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des chefs d'État pour un sommet sur la masculinité positive. À l'occasion de cette importante rencontre en terre congolaise, le cérémonial protocolaire a été déroulé au Palais de la Nation pour deux chefs d'État africains. D'abord, le Rwandais Paul Kagame. Accueilli par son homologue congolais Félix Tshisekedi, les deux présidents ont pris la direction du bureau officiel du palais présidentiel pour un tête-à-tête. Durant près d'une heure, ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquelles l'engagement des dirigeants africains à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous avons eu des discussions concernant la coopération bilatérale entre nos deux pays. Nous avons parlé du développement, de la stabilité et de la paix dans la région entre nos deux pays, mais aussi des causes de cette insécurité. Et cette conférence nous a donné une bonne opportunité de renouveler notre amitié et une coopération pour améliorer la relation entre nos deux pays. Nous avons effectivement abordé le problème de cette conférence sur la masculinité positive, le rôle que les hommes doivent faire pour protéger davantage les femmes des violences qui sont faites sur elles, mais également de la promotion de celles-ci dans la vie sociale. Et le président Kagame est très en avance là-dessus, sur la participation et le rôle des femmes dans les institutions. Donc on a beaucoup discuté là-dessus. Également des problèmes bilatéraux et qui concernent nos pays respectifs. Autre chef d'État reçu en tête-à-tête à l'occasion de la conférence sur la masculinité positive, c'est Macky Sall. Successeur de Félix Tshisekedi à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine en 2022, le président sénégalais a, après des honneurs militaires, longuement échangé avec son homologue congolais. Outre les questions relatives aux stratégies pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, les deux dirigeants ont eu une convergence des vues sur de nombreuses questions africaines. Motif de joie pour le président Macky Sall, appelé à suivre le chemin bien tracé par son prédécesseur au service de l'Afrique. Que je réponds à l'invitation de mon président, le président de l'Union africaine. Et j'ai pu échanger avec lui, d'abord au plan bilatéral sur notre coopération. Il faut savoir que nos deux pays ont chacun un ambassadeur chez l'autre, mais surtout la convergence de vue sur les questions africaines, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan également de l'investissement et de la coopération, sur le plan des infrastructures africaines. Je pense que nous avons une parfaite convergence de vues et je suis sûr qu'à sa suite, le chemin sera tracé pour moi pour continuer cette œuvre
au service de l'Afrique. Tout en remerciant les Sénégalais de sa présence à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a émis le vœu de voir à travers ce sommet l'Afrique s'inscrire dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en adoptant une déclaration de l'Union africaine. Nous allons vraiment envoyer ce message. Il y a d'autres chefs d'État aussi qui sont avec nous pour dire ensemble haut et fort combien nous condamnons ce phénomène de violence faite aux femmes et aux filles et combien nous nous inscrivons dans la lutte contre ce fléau. Et notre engagement, nous le voulons non seulement africain, mais au-delà, qu'il soit vraiment international, mondial s'il le faut. Nous avons donc parlé des problèmes qui sont les nôtres au niveau africain. Le Congo-Brazzaville a aussi répondu à l'invitation du président Tshisekedi pour ce grand rendez-vous qui se tient au fleuve Congo, hôtel de Kinshasa. Prennent également part à ces assises le chef d'État ghanéen Nana Akufo-Addo et le Togolais Foria Simbe et Adema. C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, João Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix initié par l'Union africaine depuis 2015. La deuxième édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Souza, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations des hauts niveaux de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture dans un proche avenir à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du Festival panafricain de Kinshasa, Festakin, de même que le Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'illustre Agostinho Neto Quilamba, président et poète, nous invite à regarder l'Afrique avec les yeux du futur. Lui, le chantre de la libération de l'homme et de la fraternité humaine, lui le poète des espérances sacrées, nous sommes réunis ici à Luanda, la terre de Njinga, de Ndongo et de Matamba, la contrée de Kimpavita, pour que brille davantage la lumière de la renaissance africaine dans des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité, appelé à nourrir la zone de libre-échange continentale africaine.
Après sa participation à cette première journée d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi en début de soirée. Je voudrais d'abord signaler ici la présence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, invité par son homologue João Lourenço pour participer à la deuxième édition. L'activité est purement culturelle. Culturelle, on parle de la culture, on parle de la paix et on a invité le président Félix à sa qualité de président de l'exercice de l'Union africaine, qui va aussi parler de la paix, qui va parler de la culture, qui va parler de la jeunesse. Le Congo peut donner d'abord par le biais de son président, qui a annoncé lorsqu'il a prononcé son discours à la prise de fonction comme président d'exercice de l'Union africaine. Il a parlé de la culture, il a parlé de l'Africain qui doivent régler leurs différends entre eux. Et il a parlé de la jeunesse. La culture en République démocratique du Congo, vous le saviez bien, est que non seulement primée par le chef de l'État, mais matérialisée aussi par son gouvernement. Nous voudrions à travers de la culture que le message de la paix passe. À travers de la culture, que le pays, que la région puisse s'intégrer, se mettre ensemble et pour régler nos différends, et pour l'intérêt de la population, et pour notre développement, et pour la paix de la région. Il n'a pas fait le déplacement de Dakar. Mais depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet Chine-Afrique de Dakar ouvert ce lundi matin. Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère, tel est le thème de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui réunit en présentiel et en visioconférence plusieurs chefs d'État. En sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a encouragé le choix d'un dialogue constructif et sincère de définir les principales orientations de la coopération sino-africaine pour les 3 années à venir. Il s'agit essentiellement de défis majeurs tels que le développement socio-économique, les changements climatiques, la sécurité et la stabilité des États. La question des vaccins et de lutte contre la pandémie de COVID-19, l'un des sujets phares de ce forum. Le président Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour saluer les initiatives prises sur la construction d'une communauté d'avenir partagée sino-africaine en matière de lutte contre la COVID-19 qui continue à préoccuper le monde avec le nouveau variant. Lors du sommet extraordinaire de 2020 sur la solidarité contre ce fléau, la Chine avait annulé les dettes africaines sans intérêt arrivées à échéance en 2020. Depuis la première édition du sommet Chine-Afrique en 2000, la relation entre la Chine et le continent africain a beaucoup évolué. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 20, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2019 selon la Chine. 4 documents de la plus grande importance seront paraphés à Dakar, dont un programme d'action pour 2022-2024, ainsi qu'une convention sur la vision 2035 de la coopération sino-africaine sur le changement climatique. Outre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président égyptien Abd El Fattah al-Sissi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont également participé par visioconférence à cette conférence qui prendra fin ce mardi 30 novembre.
C'est un rendez-vous économique d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo en tant que pays organisateur et pour les autres États partenaires. À travers les assises dénommées DRC Africa Business Forum, des chefs d'État et des gouvernements des pays africains et des multinationales réfléchissent sur comment développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. De la rhétorique abondante mais riche en révélations et engagements des États d'Afrique qui sont désormais déterminés à changer le paradigme et jouer véritablement leur rôle dans le développement de la chaîne de valeur dans le processus d'extraction, de transformation et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des batteries électriques. Dans son mot d'ouverture devant l'Auguste Assemblée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en exergue les révélations issues de l'étude menée par Bloomberg qui soutient une étude comparative, confirmant que l'Afrique regorge de son sous-sol plus de 60 types de minerais, dont le un tiers se trouve en République démocratique du Congo, ce qui est susceptible de promouvoir une industrialisation axée sur les ressources naturelles. Dans le concret, il est à noter que d'ici 2030, le continent africain sera face à une demande de 145 millions de voitures électriques. Le taux de demande de cobalt sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an, chiffre qui pourra doubler dans 5 ans. Le président de la République démocratique du Congo, également président en exercice de l'Union africaine, plaide pour une synergie d'efforts des pays africains en vue de renverser la tendance et refuser de continuer à exporter nos minerais à l'état brut. DRC Africa Business Forum se fixe comme objectif d'améliorer la participation des pays africains dans la chaîne de valeur des batteries, voitures électriques et énergie propre afin d'impacter significativement le train de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables. Loin d'être une figure de style, l'avenir du monde se trouve en Afrique, car Dieu a doté le sous-sol africain d'extraordinaires richesses et la RDC en est une illustration plausible. Plusieurs personnalités des pays africains et représentants des multinationales ainsi que des institutions financières de renommée internationale ont fait le déplacement de la RDC. La Zambie, représentée au plus haut sommet par son président Hakainde Hichilema. Le Gabon, le Maroc, également présents à travers leur ministre de commerce et de l'industrie. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique accompagne ce forum dans la mobilisation des partenaires. Matt prend un beat. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Mon président Tshilombo. Raisi we tu ni number one. Tshisekedi Tshilombo. Raisi we tu ni number one. Mon président Tshilombo. Raisi we tu ni number one. Félix Tshilombo. Number one. Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Utawala wake, waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo, kwa bure. Uishi milele, utawale milele. Tukupenda. Mwana ya Kongo na sepeli komona president ngai Tshisekedi yo na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu to sepeli mingi komona ye yangoyo ngai na kobetale maboko maboko yangoyo ngai na koyembela ye yangoyo tikana ebisa ye na motema nangayo umela president ngai Umela papa Tshisekedi Umela, 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 umela papa nanga yo oh, oh, oh. Mon président Tshilombo Raisi
Mheshimiwa, karibu kwetu, kwetu Bukavu. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawapenda, tunawajali. Tunasema karibu, karibu Bukavu. Ni muji mzuri, tunawakaribisha. Kuna hewa nzuri na watu wazuri. Karibu kwetu Bukavu. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo, raisi wetu ni number one. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Félix Chilombo, number one, number one. Ngamuleo ekilo kilo e kwa sebe. Seme